Quel Premier ministre? Mais le Premier ministre Ousmane Sonko, on l'attendait justement devant l'Assemblée nationale, devant les représentants du peuple pour faire une déclaration de politique générale. Tenez-vous bien, le Premier ministre de la Mauritanie a fait sa déclaration de politique générale alors que la Mauritanie n'a organisé son élection présidentielle qu'au mois de juin. Au Sénégal, depuis le 24 mars, nous avons un président qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, qui a nommé un premier ministre qui s'appelle Ousmane Sonko. En France, le premier ministre va faire sa déclaration de politique générale au tout début du mois d'octobre. Nous, nous attendons toujours que notre premier ministre fasse sa déclaration de politique générale. Et n'étant pas sûr de son projet qui n'existe pas donc, n'étant pas sûr de sa vision, n'étant même plus sûr de son ambition, il a préféré dissoudre l'Assemblée nationale qui avait été convoquée par le président de la République, qui a lui-même arrêté la date de la déclaration de politique générale le 13 septembre dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est le Premier ministre qui décide de tout, le Premier ministre avait dit effectivement qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale, que ses députés ne perdent rien pour attendre, il n'y aura pas de motion de censure, il n'y aura pas de DPG et le président de la République s'est exécuté tout simplement. Qu'est-ce que nous pouvons attendre aujourd'hui de ce Premier ministre? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout.